La tempête tropicale Anna menace Hawaï et pourrait potentiellement se renforcer et se changer en ouragan de catégorie 1. Déjà, les vagues, la pluie et des vents de 75 km/h sont venus frapper l'archipel américain et les habitants apprécient, comme cette jeune retraitée. C'est spectaculaire, je n'ai jamais vu ça avant. Les écoles hawaïennes ont été fermées et les événements sportifs annulés par mesure de précaution ce week-end, alors que la Croix-Rouge a ouvert 5 centres d'hébergement d'urgence. Si la tempête Anna se transforme en ouragan, les vents pourraient atteindre 153 km/h. Nous avons plongé ce matin, on a observé les fonds marins et au moment où nous partions, ils ont évacué les plages. C'est juste une précaution, j'en suis sûr. Peu inquiets, les habitants ont déjà essuyé une tempête tropicale en août. Et si les refuges avaient alors été utiles, il n'y avait pas eu de blessés.